merveilleux. Et je crois que Dieu va faire grâce, que Dieu vous bénisse. Donc moi, ce n'est pas moi le modérateur. Moi, je venais juste vous donner la parole et je vais inviter le modérateur de Dieu à continuer. Que Dieu vous bénisse. Et je ne suis pas créé un enfant. L'enfant, il ne connaît pas la valeur de la chose. Oh, mes parents sont là, non? Essaye de donner ton dernier iPhone. Tu as transpiré pour avoir ça. Donne ça à ton plaisir. La manière tu vas juger l'enfant là. Il va prendre iPhone, il va mettre ça aux toilettes. C'est pour ça que Dieu ne donne pas une certaine grâce aux enfants. Parce qu'il sait que si je te donne ça, tu vas gâter ça. Mon nom sera gâté. Amen. Et la création fait détecter qui est enfant et qui est fils. La création entend la voix des fils. Alléluia. Elle n'entend pas la voix des enfants. Alléluia. C'est pour ça, depuis que tu pries là, tu pries, tu attends même des sorties, tous les sorties de ton village. Personne ne meurt. Tu as encore un enfant. La création n'entend pas. Les anges ne t'entendent même pas. Pourquoi, quand c'est la prophétie qui prie, ça marche, mais moi quand j'ai pris, ça ne marche pas. Il faut seulement dire, tu es encore un gamin. Alléluia. Amen. C'est quoi l'enfant? Je finis vite. Je sais que vous voulez faire qu'on fasse feu. C'est le prophète David qui va faire ça. Je te laisse s'organiser ce soir. Et on dit, tu vas faire feu ce soir. Et tu la Bible dit, je reste le côté de mon père qui me fait, c'est mieux comme ça. Parce qu'il y a des combats là, c'est mieux que le père encaisse à ma place. Mais vous croyez que le Superman, tu as des problèmes de péché, tu as des problèmes de vie de prière, tu n'arrives pas à jeûner et tu es leader de ministère, tu vas mourir avant le temps. My God. Tu vas mourir avant le temps. Mais pas sur la raison de quelqu'un qui est mature pour t'aider à avancer. Avant de venir, j'ai l'air de mon père spirituel, j'ai dit papa, je ne vais pas au Maroc, il m'a béni, d'accord. Tout ce que j'ai dit, papa, je viens de moi-même, j'ai des enfants pasteurs. Ça ne m'enlève de rien. Au contraire, ça me fait plus grandir. Je suis encore de plus en plus dangereux spirituellement. Écoutez, pourquoi David a fait ça? La Bible dit qu'on David est parti affronter Goliath. Je peux aggraver? Amen. Oh, je ne t'entends pas. Je ne peux pas aggraver. La Bible dit qu'on David est parti affronter Goliath. Il a pris un bâton. Il a pris des pierres et sa fronde. Il s'est levé vers Goliath. Lorsque Goliath voit David, il dit, je suis un chien pour que tu viennes avec moi avec tes bâtons. Il y a un problème. Amen. David a pris un bâton. Mais Goliath voit des bâtons. C'est ça le secret d'être sous l'autorité de quelqu'un. David n'est pas venu sur un spirituel de moi qui était accompagné par ses pères. Non, quelqu'un n'a pas compris. Est-ce que je peux accélérer la parole? Écoutez, un gars court de 16 ans à terrasser un gars de 3 mètres, qui a plus de 40 ans. Un espère de guerre avec une femme, c'est pas normal. C'est la grâce d'être sous l'autorité de quelqu'un. David n'était pas seul. David s'est mis sous la coupole de sa mère. Et sa mère était sous la coupole de ses pères. Donc, on s'en est d'après parti en guerre, il était en train de dire que Dieu te mène, Père. Toi, tu fais cette prière, qui est ton Père? Tu as parlé à ta généalogie. Alléluia. Le Dieu te mène, Père. Tu es seul dans ta généalogie, tu deviens le Père. Tu luttes, il n'y a pas de résultat, tu es sous ton autorité spirituelle. Les gens
Plutôt disent que Moïse n'avait pas de père spirituel. Vous lisez bien la Bible. Moïse avait un père. Regarde ton voisin, dis-lui. Moïse avait un père. Le père de Moïse était Jéthro. Alléluia. Qui lui a montré les voies de l'éternel? Parce qu'avant d'aller en Égypte, il était berger, en d'autres termes, pasteur chez Jéthro. Il était pasteur chez Jéthro. Et c'est Moïse ne connaissait pas l'éternel. Mais comme Jéthro était sacrificateur, il avait appris comment le sacerdoce se passe. Et c'est sous la connaissance de Jéthro que l'éternel est venu se réveiller à Moïse. Peut te rejeter. En fait, c'est un test. Pour voir est-ce que tu es prêt à prendre ce que tu dois prendre. Élisée a dit, ton pied, mon pied. Il a traversé toutes les étapes. Élisée a dit, je te suis. Maintenant, quand il traverse le Jourdain, qu'est-ce qui se passe? Élie dit à Élisée, en fait, qu'est-ce que tu veux en fait? Il dit, je veux la double portion de ton esprit. Écoutez bien, il a dit la double portion de ton esprit. Il n'a pas dit la double portion de ton onction. C'est pas l'onction qu'il a demandé, c'est l'esprit. L'esprit est supérieur à l'onction dans la manifestation. Bon, demandez l'onction, il n'y a pas de problème. Moi, je ne veux pas l'onction, je veux l'esprit de mon père. Parce que dans l'esprit, my God, apôtre, si tu dis quand je viens, c'est pas des corps de prophète. Là, ça me pousse à enseigner des trucs sur le prophète. Quand vous n'êtes pas prêt, je m'arrête là. Avance, prophète. Il est à toute portion de ton esprit. Et il dit, si tu me vois monter, tu vas recevoir ce que tu cherches. D'abord, il a dit, tu demandes une chose. L'esprit, c'est l'enseignement. L'esprit, c'est la formation. L'esprit, c'est les conseils. C'est là où vous êtes devenu fort. Tu sors la richesse, tu veux réussir le ministère, mais ton père t'a donné un message. Tu laisses le message parce que tu as écouté tout sur YouTube. Moi, à un moment donné, j'étais contre ce mot. Parce que je me jouais super docteur qui connaissait la parole de Dieu plus que les autres. Et la Shekinah, c'est une boîte publique. Le mot publique, c'est la cabane. À un moment donné, mon père spirituel a donné l'enseignement sur la Shekinah. Il a expliqué mot par mot. J'ai dit, oh Seigneur, pardonne mon ignorance. C'est ça la cabane de Dieu. Quand tu t'écartes, et te remercie le Père. Mais Élie a dit, si tu me vois monter, ma vie de tourbillon, tu dois avoir les yeux ouverts. Tu dois avoir les yeux ouverts. Ça va te blesser les yeux, mais reste pour voir. De ta partie. Tu veux la double portion de l'esprit de ton père. Mais tu n'es pas capable de prier, de voir sa vérité. De couvrir la vérité de ton père. C'est pour ça que Jean a été maudit. Parce qu'il a dit la vérité du père. Il est parti raconter ça à tout le monde. Au Maroc, il y a beaucoup de gens comme ça. Tu vas à la vérité de ton père, mais tu vas me faire une directe. Jésus, oh! C'est la malédiction directe. Écoutez, mais Noé n'était pas dehors quand il était ivre.
il était à l'intérieur de la maison. Il faisait ce que son alcooliste en secret. C'est que son fils a vu de l'intérieur et il est parti sur la perversion. En d'autres termes, il a guetté son père. Pour cacher. Il a fait de l'espionnage. Il y a des enfants comme ça. Tu es plutôt en train de curer pour voir les défauts de papa. Raconter ça aux autres, je connais son point fait. Je connais. Tu as encore une gamelle, Jerry. Et les autres, ils ont appris ça. Ils sont venus prouver la méthode de son père, de leur père. Mais on veut préserver nos autres. C'est trop sacré. C'est les entrailles. L'apôtre, je l'ai fondé dans le ministère, dans mes entrailles. Je l'ai planté. J'ai enseigné, j'ai cassé ses reins, j'ai bousculé, j'ai dit maintenant avance, c'est le résultat de mon voyage. C'est pas parce que tu as fait une offrande à la porte que tu ne dis jamais. La porte va prendre ton offrande, il va manger ça. Et toi, tu n'es pas dans son cœur. Tu ne seras pas dans son cœur. Qui vous a menti? Jésus. Qui vous a menti? Soyez des fils. Le fils, ça monte, ça descend, il est là. Papa, ça va aller, ça va aller. Le fils, il n'y a pas l'argent, il est là. Le fils, on ne suit son père, il défend son père. C'est quel fils, on ne suit ton père, tu es maintenant ami avec les personnes qui suivent ton père. Tu n'es pas un fils, tu es un mercenaire sorcier. Tu es un mercenaire sorcier. Un fils est fidèle. Même si Dieu t'a dit, tu vas ouvrir quelque chose, tu vas patienter jusqu'à la mort. Tu patientes jusqu'à ce que Dieu parle à ton cœur. Et que le Père dit, Dieu m'a dit, je te relâche. Tant que ce n'est pas ça, tu restes auprès du Père. Mais vous ne savez pas être sur la responsabilité de quelqu'un, c'est une protection. C'est une protection. Les gens ont dit, oui, Dieu m'a dit, j'ai le même mystère que toi. Tu es sûr? Tu peux supporter ce qu'il a traversé? Pour faire quoi, vient? Il était déjà pasteur dans une église. Et Dieu lui a dit qu'il va venir se connecter à moi. Comme moi, je connais son père qui avait dans la foi, je l'ai appelé, il dit, il y a ton petit qui dit, il dit justement, prends mon fils. Il prêchait déjà. Il chassait les démons. Il prophétisait. C'était déjà un révérend. Mais quand il est arrivé, j'ai dit, moi je ne te connais pas, pasteur. Si tu te connais dans moi, tu redeviens frère. Assois-toi au fond de la salle. Amen. Il est là. Pourtant, il avait des enfants spirituels. Il pouvait dire, mais moi, Dieu me cuise. J'ai dit, tu t'assois au fond de la salle. Et quand je le présente à l'église, je dis, voici le frère Stéphane. Pourtant, il vient d'une assemblée. L'assemblée, il venait, les gens l'appelaient prophète déjà. Et on m'avait présenté en tant que tel. Je dis, chez moi, tu n'es pas prophète, chez frère. J'ai dit, tous les tâches là, des enfants, j'ai dit, tu fais, va lui donner la salle. Va faire ci, va faire ci, va faire ci. Et j'ai parlé de ça avec ma femme. J'ai dit, attends, je suis en train de me tester. Si c'est pour moi, un fils va m'obéir. Parce que la Bible dit que les fils obéissent au Père. Donc si c'est moi un fils que Dieu m'a donné, il va m'obéir. Je le cassais. Je criais sur lui. J'étais en train de regarder. Quand je crie, je le regarde.
comment il va réagir. À un moment donné, j'étais tellement dur avec lui, j'ai dit, toi là, Dieu l'a frappé, tu vas voir. Il a vu là, non, ce que Dieu a fait, mon Dieu c'est bizarre, il se fâche. Il est venu, il m'a demandé pardon devant l'église. Les gens n'ont pas compris. J'ai dit, tes œuvres, bon, ils ne savaient pas les choses. J'ai dit, lève-toi. J'ai dit, donne-le lui. Prêche. Il a dit, ce que tu veux, j'ai dit, non. Un père de blocage de son fils. Il a demandé pardon, c'est fini. Il a prêché, Dieu s'est manifesté, jusqu'à ce que Dieu me dise, il faut leur donner le nom ministère. Et je me déplace avec ma femme, il gère l'église. Et Dieu l'utilise. Je suis Dieu l'utilise. Je suis parti au Côte d'Ivoire. On m'a invité dans une assemblée, une grande assemblée. J'ai dit, mon fils va prêcher à ma place. Pourtant, je pouvais dire, non, moi je m'en vais là-bas, il y aura plus de bord. J'ai dit, prêcher à ma place. Et tu utilisé. Alléluia. Pourquoi? C'était compliqué. On s'est cogné la tête. Mais il avait toujours raison. Je demande pardon, mon Dieu. Je demande pardon. Je demande pardon. Je demande pardon. Mais donc aujourd'hui, il est pasteur de notre branche en Côte d'Ivoire.